En 1997, le Sangha Rinpoché invita Kundun, le Dalai Lama, en Savoie, pour une série d'enseignements. C'est en parallèle et autour de lui que fut organisée une rencontre intertradition sur le thème de l'unité dans la diversité. Boritana. Buriati. She's from Buriati. She's from Buriati. Buriati. Raquel is from Mexico. Nous avions invité à la fois des représentants des grandes traditions monothéistes, il y avait aussi des bouddhistes, des Benpo, et des délégations de traditions primordiales autochtones venues des cinq continents. Pendant une semaine, ils se sont réunis en petits cercles pour échanger, partager. Il y eut un lien de cœur ou quelque chose qui fit que toutes ces personnes qui avaient ainsi communiqué, communié pendant une semaine, ont souhaité que ce qu'elles avaient vécu ne soit pas sans suite. Et ainsi est née cette initiative dite des Traditions Unies, avec une vision, porteuse d'une vision d'unité dans la diversité, d'unité de fond, diversité d'expression, et avec une volonté de solidarité, d'entraide, de jumelage aussi de hauts lieux, de lieux sacrés, de lieux de transmission, d'écosystèmes sacrés, et dans chacun d'eux, continuer ce message de Traditions Unies, d'unité dans la diversité, en développant des espaces des Traditions Unies. À l'issue de cette semaine intertradition, des délégations signèrent symboliquement et rituellement leur intention de solidarité en imposant leurs mains sur un grand parchemin. C'est dans cet esprit de 1997 que la Charte des Traditions Unies a été constituée. Elle reconnaît notamment des convergences relatives et fondamentales, un principe d'égalité, le droit à la différence, un principe de respect mutuel, ainsi que le dialogue et la préservation du patrimoine spirituel de l'humanité. Elle a été signée à Bodh Gaya, sous l'arbre de la Bodhi, par plusieurs représentants des grandes traditions. Ainsi, depuis 1980, Lama Denis a participé et initié de nombreuses rencontres. Que ce soit à l'UNESCO ou récemment au siège des Nations Unies à New York dans le cadre du World Council of Religious Leaders, Lama Denis œuvre à développer ce dialogue entre les traditions. Dans la continuité, il fut écrit le 23 mai 2003 à New York le manifeste de l'unité dans la diversité, éthique et spirituelle. Les ponts développés par le manifeste sont fondamentaux pour l'éducation à une culture de paix et de non-violence, telle que la propose l'UNESCO, l'ONU et de nombreuses organisations du dialogue interreligieux. Calahuala, je le connais, en Bolivie on l'appelle Calahuala. C'est bon pour
Donc, plein de choses se sont ainsi développées et continuent aujourd'hui avec aussi l'ouverture d'espaces, des traditions sacrées. Le premier avait été envisagé à l'origine même de l'initiative ici et il est en train de s'achever avec le temple que nous pouvons voir aujourd'hui qui va être inauguré très bientôt. L'intelligence du cœur est le fil d'Ariane qui unit toutes les religions du monde. Oh.